Il n'est pour nous séparer. Puis il y a une amertume de mon côté, c'est pas qu'il était bizarre à nous tous, ça peut être ça. Ça, c'est là les aléas de la politique. Ce qui peut déranger nous, c'est sa dérive qui peut arriver là au niveau du Parti travailliste et son nouveau allié, le MMM. Et donc, c'est en regardant l'avenir qu'il nous prend décision aujourd'hui pour retirer nous du gouvernement. 23 députés du PMSD finissent démissionner à 2h cet après-midi, finissent démissionner en bloc. Démission suite à un profond désaccord, le mot est juste, un profond désaccord avec le Parti travailliste. Réforme constitutionnelle sans référendum, non. On a une seule affaire pour me dire concernant Namir Amboulam, surtout un ton un petit peu moqueur qu'il peut adopter vous autres après 15 ans. Et moi, tout ça, manquement de respect à sa bande milliers de familles PMSD, activistes, qui finissent donner un coup de main pendant 15 ans. Aujourd'hui, si un nouveau l'a marié, il n'y a pas une raison pour faire comme ça avec nous. Il n'y a pas une raison, il n'est pas bon. Bizarre, il y a un respect mutuel, même dans le désaccord. Par quoi donc, qu'à cause de nouveaux amis, nous moquent de Manas. Ils n'ont pas du tout apprécié le ton moqueur de Namir Amboulam vis-à-vis du PMSD. Je fais un appel à moins d'arrogance de la part et du MMM et du Parti travailliste. Peinant, on dirait aujourd'hui un dépôt fixe dans aucun pays. Du monde est assez intelligent pour choisir qui danse l'intérêt. Donc, je finis par dire comme ça, que malgré qu'il peut penser grand parti, petit parti, ce que je suis capable de dire, c'est le plus grand parti aujourd'hui à Maurice, c'est le parti ben indécis. Et ça, c'est une leçon qui est même et travaille bizarre, comprend. Pas prendre Mauricien pour mouton, pas prendre Mauricien pour bête. Une bonne négociation qu'il fait en deux personnes, dans l'intérêt de deux personnes, ce n'est pas ça. Ban Mauricien pour disposer, avaler. Le What Next, c'est clair. Hein? Puis, PMSD prend sa place dans l'opposition. Nous attendons de pied ferme élection. Nous avons préféré attendre de pied ferme un référendum. Mais, faute de ça, nous attendons de pied ferme élection. Nous ne pas négocier avec personne parce que ce n'est pas de ma manière de faire lire avant même quitter un gouvernement. Pas de ma manière. Seulement, nous faisons un appel aujourd'hui à tout ban du monde dans l'île Maurice qui sont en colère, qui sont qui n'est pas d'accord avec ce qui est passé, rejoint le PMSD. Est-ce qu'il est évident ou l'intention de joindre ou bien discuter avec ça au Jardin? Là, pour l'instant, nous n'avons pas l'intention. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien sûr, nous sommes dans l'opposition. Nous pouvons bien causer pour être sur l'opposition quand nous sommes dans le gouvernement. Nous causons le gouvernement.